Salut à tous, c'est 147FR pour un nouveau let's play sur Amnesia The Dark Descent. Après avoir un peu galéré pour faire la capture, c'est enfin lancé, ça marche, j'ai fait des tests et ça marche. Du coup, on va créer le nouveau profil. Pour bien vous prouver qu'on commence de zéro, on sélectionne bien. Alors, je vais juste faire un petit réglage au niveau de l'audio du jeu. Voilà. On va mettre à 5, c'est pas mal, c'est bien. Voilà, donc j'ai pré-réglé déjà l'éclairage du jeu pour que vous y voyez bien quand même, parce que c'est un jeu assez simple, parce que The Dark Descent, la descente dans l'obscurité, enfin voilà. Donc jeu très célèbre, fait par Frictional Game, qui a aussi fait du coup Amnesia The Machine for Ping, et dernièrement Soma. Donc là on commence à la racine, donc le tout premier, le Amnesia The Dark Descent, très connu dans les jeux horror game. Jeu très bien fait, très bien fait, très bien noté aussi. Et du coup on va commencer notre aventure dans cette descente aux enfers, c'est parti. Hop, c'est parti. Bon alors là je suis pas dans l'obscurité parce que... Je sais pas pourquoi, ça éclaire pas assez pour comme vous voyez, donc du coup on a mis un peu de lumière. Ça va être très clair. Après bon, ça change rien, on va découvrir le jeu avec vous. Ok, on est Daniel. Ah, c'est bon, c'est plié. On sait qui on est. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des taches bizarres là. On se réveille. Alors, amnésia, pourquoi amnésia aussi? Amnésie, donc oubli. En gros, on se rappelle pas de qui on était. Voilà. Ok. On a le truc de conseil qui a démarré. Ok, donc alors, l'appellation par défaut, on accède à ce menu sur la touche de tabulation. On a accès du coup à notre état de santé et notre équilibre mental, ce qui sera très important dans certains passages du jeu. On a pour les boîtes d'amadou qui nous serviront à allumer les éclairages ambiants fixes. On aura de l'huile pour une lanterne qu'on récupérera plus tard. Oui, après l'accès au journal, donc le journal avec des notes, journal d'indices, intime, même pas, et un memento, donc ce sera les objectifs en gros. Donc là, sur les traînées liquides et trouver sa source. C'est parti. Ok, on est lancé. Alors, on va aller déjà à un couloir qui s'est totalement. D'accord. Un couloir qui s'est bien effondré. Donc voilà, donc je parlais des éclairages, c'est celui-ci. Bon là on peut pas parce qu'on n'a pas d'amadou. Des amadou qu'on récupérera en chemin. Alors jeu très bien. Pourquoi parce qu'il est assez. Il y a une physique que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est peut-être un peu trop clair peut-être pour vous, j'espère que ça suffira. Au pire je vais peut-être régler vite un petit peu pour que ce soit pas trop clair aussi. On va le diminuer un peu. Voilà, ça mettra un peu plus d'obscurité, mais pas trop. Voilà, donc boîte d'amadou qu'on a récupéré maintenant. Donc, je vais essayer d'en économiser pour servir. Donc, je parlais de la gravité, donc celle-ci. Possibilité de déplacer des objets, tout simplement. Ouverture des portes aussi, comme on a pu le voir. Donc, les traces qu'on va suivre, du coup, on aura un bon moment du jeu. On a cette physique aussi là. Voilà, très bien fait. Vraiment très bien fait par le Frictional Game. Pour l'instant, l'ambiance est très calme, mais je vous rassure, ça ne dure pas si longtemps.
Ça va assez vite se développer et on aura affaire du coup dans ce jeu à toutes sortes de créatures surnaturelles. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ok, pas trop compris là. Donc on est Daniel dans notre très grand manoir et pour l'instant on sait pas grand-chose. On ouvre une porte. Alors je sais pas quel est vraiment l'intérêt de ce truc. Ça doit être pour augmenter les frissons et tout. Pas trop. Voilà, on aura droit à des événements surnaturels de ce type-là. Des portes qui s'ouvrent, des courants d'air très forts. On aura aussi la possibilité dans ce jeu de se cacher dans les meubles, comme ça, pour se cacher de créatures qui nous donneront beaucoup de mal. On va bien sûr explorer un maximum pour récupérer un maximum d'amadou. On en aura extrêmement besoin. Aussi, on récupérera des notes qui nous en apprendront un peu plus sur le personnage et sur quel environnement on est. Là, je remarque que la caméra. Et enfin, la vue du personnage est totalement penchée. Pourquoi pas? On va se traîner. Bon, bien sûr, j'ai déjà fini le jeu il y a assez longtemps. Bon, bien sûr, je me rappelle absolument pas de la fin. Enfin, je me rappelle pas de toutes les étapes. Ouvre-toi. Alors, bien sûr, on aura droit à des moments des portes qui s'ouvrent pas. Sinon, c'est pas amusant, ce serait trop facile. Donc on aura des moments comme ça d'exploration. Il y aura un peu de puzzle en gros. Résoudre des sortes de casse-tête, activer des mécanismes et tout pour avancer. Et on aura des moments un peu comme ça avec des. Alors je sais pas trop ce que c'est en fait. Ça c'est des souvenirs. Vraiment, il y a certains trucs que je peux pas vraiment expliquer encore. J'ai pas assez de détails hein, encore à vous fournir. L'éclairage aussi est très, très bien fait aussi. Voilà, ok, une petite porte qui s'ouvre. Qu'est-ce qu'on va faire? On a une armoire à terre, on va explorer ici. Parfait, c'est parfait. Bon, on n'a pas grand chose à encore pour l'instant ramasser. On avance, on a juste à suivre le chemin. Et alors, viens t'ouvrir, toi. Ok, elle veut pas s'ouvrir. Ah, si, elle fait son petit bruit. Voilà. Alors là, c'est nous avons le droit au petit cercueil. Le petit cercueil. Alors ici, bon, les commandes sont les commandes classiques des jeux. Les flèches, enfin, Z, QSD pour se déplacer, la souris pour la vision. Et attention, voilà, donc votre équilibre mental sera un peu affecté. Allumer. Pour un peu mieux se sentir en sécurité, tout simplement. Le clic gauche de la souris pour interagir et pour interagir avec les objets ou les éclairages, les portes. Bon, après là, on a possibilité de courir aussi, comme d'habitude. Vraiment, les contrôles sont basiques. Rien de pur de technique. Alors par contre, je viens de remarquer un truc, c'est là-bas en été il y avait un peu pluie orage, et là il fait soleil, ou alors c'est une lumière qui vient d'autre part. Je sais pas trop. Donc après oui, les zones sont séparées par des indications comme ça, une porte, disons. Bon, il y aura des menus de chargement avec des sortes de phrases. Bon, aucun rapport avec le scénario du jeu, enfin. J'en trouve aucune, c'est juste des. Meubler un peu plus le jeu. Vraiment, on est vraiment dans un château de type. Château abandonné un peu. Excusez-moi. Donc, voilà, bah là, ça nous disait à propos
de l'état mental qui est, pour l'instant, un petit mal de tête. Qui est dû aux événements surnaturels, comme il y a c'est écrit. Solidant des casquettes. Ouais. Ouais. Alors, aussi, le château qui, bien sûr, part en morceaux, comme on peut le voir. Et ceci va nous pas mal nous déranger dans certains moments. Qu'est-ce qu'on aura d'autre comme passage? Donc aussi j'en parlais, des passages d'exploration dans ce genre-là. Des passages de cache-cache. On devra avancer mais en étant le plus discret possible. Et des passages où il faudra courir. Bon, ça vous les verrez au fur et à mesure. Voilà, donc comme je disais, le château est totalement en morceaux, il part totalement en vrille. Remarque aussi que certaines fenêtres sont totalement fermées. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est rien du tout. On remarque aussi la grandeur du château, enfin de ce château. Qui est incroyable. Ouais, j'essaie de m'enseigner sur la map du jeu. Encore de la M2, c'est parfait. Et voilà, on récupère notre lampe. C'est excellent. Lampe qu'on demande en appuyant sur F. Voilà. Elle est fournie bien sûr avec de l'huile. Donc ceci c'est son niveau de le niveau d'huile. Alors pour l'instant je vais pas m'en servir. Et pour l'instant c'est assez correct au niveau éclairage. Bon, on aura à peu près tout récupéré. Après aussi on a juste à fouiller les tâches. Bon, je dirais pas que c'est des taches de sang, hein. Ça a pas l'air d'être du sang, c'est plus une couleur un peu Il y aura aussi pas mal de tremblements de terre. Voilà, c'est des choses vraiment. Il y a vraiment des mystères sur ce jeu. J'espère qu'on en saura un peu plus au fur et à mesure. Y a rien à nous finir. Dommage. Alors, je sais pas pourquoi ils ont intégré ça. Je suppose qu'on aura des étapes de. On devra brûler des éléments. À savoir. On continue. Vous voyez là pour l'instant. Bon, pour l'instant, c'est vraiment. On va dire c'est un peu la phase tutoriel. Ah. Alors, ça, c'est des traces laissées par nous quand on. Je sais pas. Fouillons un peu tout ça. Plein de petites fioles. Des fioles de vin sans doute, non? Oui, j'ai remarqué le levier. Moi aussi j'ai remarqué. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Ah. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Voilà, donc.
Donc amnésia, on a oublié, on a bu une boisson qui nous a rendu totalement amnésique. Et du coup, on doit récupérer, enfin, réparer les merdes de notre ancien. Alors, actionnons la suite. Hein. Va falloir du coup se rendre à, au sanctuaire intérieur, je sais plus quoi, pour trouver notre monsieur Alexandre de Brandenburg. Qui a l'air très vieux et il va falloir lui. Va falloir lui calmer le jeu. Simplement. Voilà. On continue notre aventure. Là, on arrive dans ce qui semble apparemment être une salle. Une très grande salle. Avec un escalier totalement en morceaux. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... What did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone. Brandenburg, ça doit être ce château à mon avis. Ça ressemble à un nom de château, Brandenburg on pourrait dire. Bon, oh, qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, là on a remarqué, on a les traces qui doivent descendre en bas. On va sans doute y aller plus tard. Voilà, on recharge l'huile. Oui, tous des petits bruits là que vous entendez, c'est ces petites. On va appeler ça des blattes. Ça a l'air d'être des blattes. Hop, c'est parfait. Tu en donnes beaucoup, c'est excellent. Voilà, excellent. Alors, ça, on va y avoir droit plein de fois. Soit sur les murs, soit au sol. Et je vous dis, quand on y pèse dessus ou sur le sol, ça fait extrêmement mal. Ça va nous infliger des dégâts horribles. Oui, parce que bien sûr, on peut mourir dans ce jeu. Sinon, c'est pas assez drôle. Alors, on va essayer d'aller voir ce qui se passe en bas. Oh, waouh. Bon, ben, ça a l'air de rejoindre les tissus qu'on a là-bas. On peut voir ça. Ah, ça a dressé une petite note apparemment. Voilà, sur une bug glacée, la raffinerie, est-ce qu'ils peuvent être dissous? Ok. Non, note non plus. Là, c'était juste pour l'indice. C'est ça? Ouais, c'est ça, hop. Bon, c'était juste pour le memento qui nous dit, voilà. Bon, essayons de toucher cette. Peut-être ouais, ok. Donc on va devoir utiliser quelque chose. Donc comme il nous disait, il faut la dissoudre. Un truc assez bien acide pour détruire cet élément. Alors on a encore un escalier qui monte en haut. Et on a laboratoire cave à vin. Cave à vin, ça m'inspire pas trop. Ou j'espère que oui. Ok, donc il se passe un truc très bizarre là-bas. Du coup on va pas encore y aller. Bon, porte fermée bien sûr. Ouais, vraiment, ça c'est des éclairages, c'est bizarre. Hein. Archives. On va aller voir les archives des fois parce qu'aux archives il s'y passe toujours des trucs intéressants. Oh, parfait. Excellent. Alors, toi tu viens avec moi, toi t'es. Nulle part. Ok, bon, ça m'arrange. Ça fera une porte à moins à pas faire. Bon, on va aller voir les archives du coup. Ok, on y est. Livre rare. Explorons tout ça. Une note. 16th of May, 1839.
The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered ouais, c'est une assez longue note du coup. Leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. En effet. Ok, donc vraiment, il doit y avoir sans doute un lien avec ce qui se passe ici. On n'a pas encore vu de trucs étranges pour l'instant, à part des portes qui s'ouvrent et tout. Mais je vous rassure, il y a d'autres choses qui vont se passer. Continuons ici. Oups. Voilà, on va mettre un peu d'éclairage pour vous. Voilà. Que des livres, que des bougies. Encore une note. Ah, donc ce serait probablement le château d'Alexandre, et nous on serait Daniel, sans doute un disciple. Ok. Alors on a aussi la possibilité de coup de fouiller les tiroirs, tout tiroir, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant. Voilà, c'est parfait, c'est excellent. Waouh, très grande salle. Waouh, la belle salle. Une forêt. Alors vous devez entendre aussi un peu la musique qu'il y a en fond. Elle sera beaucoup présente dans le jeu. Oui, alors on est où là? Ok, c'est bon, zen, c'est juste un livre qui est tombé, c'est pas la mort. Musique. Oh, une boîte de manou cachée là-dedans, je t'aurais pas vu toi. Voilà, à moi, toi t'es à moi. Hops, tu dégages. Hops, c'est parfait. Alors on est à combien? 15 amadou, c'est parfait. Je les conserve assez bien, ça peut toujours servir dans les cas de crise quand on aura plus d'huile, si on trouve plus d'huile. Enfin, on va en trouver de l'huile, je vous rassure, mais c'est juste au cas où. Et j'aime bien faire des économies. Surtout là pour une zone où il n'y a pas... Quoi? Attendez, j'ai entendu un bruit, c'est bizarre. Ok. C'était bizarre. D'accord. Oops, attendez. Oops, voilà. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber.
The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Ok. Notre ami a été seul. Il s'est retrouvé seul en essayant d'orfer le joli. Ok. Ça mène où là? Ok, ça mène là où on était. Continuons. Rien du tout. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit notre ami? Donc là, un point de main à Évrier. Est-il notre entrée? J'espère bien mon petit. Tu vas nous la trouver. Ok. On continue. Alors oui, il y a les petites particules qui sont liées sans doute à l'état mental qui fait qu'on qu'on voit des petites particules. Je sais pas. Ok, on continue. Ouais, vous voyez, là il y a des cailloux partout, là ça s'effondre totalement. Ouais, des petites plaques pour bloquer l'ensemble. Oui, je suis un peu anarchiste là, je vois tout valser. Il y a un piano là, fais voir, est-ce qu'on peut y jouer? Non, on peut pas. Ok, bah. Retourne chez toi, c'est pas grave. Des parchemins. Ok. Oh là là, l'assassin. Oh là là, et ok, c'est bon, on est bloqué. On est bloqué. Qu'est-ce qu'il y a par là? Botamadou. Un sou. Alors, ceci seront des souvenirs aussi. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us. Especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Bon, bien sûr, on est à une époque assez reculée. Sans doute des années 1800 et quelques. Peut-être encore un peu plus vieux, à savoir. Et bon, bien sûr, bah, c'est un château, les moyens sont assez durs. Et il faut des domestiques pour s'en occuper. J'entends la musique là. C'est la deuxième fois que j'entends, deuxième ou troisième fois que j'entends. Je sais pas d'où vient cette musique. Ok, autre note. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive là? 17 mai 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanted. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? D'accord, ok. Allons-y. It was waiting for me, enclosed in dark nothingness. I felt myself drawn to the. Sois prudent, mon ami.
Sois prudent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un dôme, enfin une sphère. Geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. D'accord. Apparemment, on aurait eu une vision, une sorte de vision ou une hallucination quand on était dans. Dans cette salle qui s'est fermée sur nous. Mais du coup, il n'y a rien là en fait. Attends, on va essayer ce trou là, quoi. Pas de casser la main. Alors, à partir de là, rentre en jeu un nouveau mécanisme, c'est-à-dire utiliser les objets, pas de cette manière bien sûr, mais en les propulsant avec le clic. Go, droit. On vise et on tire. Et ça casse. Bon, bien sûr, là, un petit caillou pour faire un aussi gros trou, c'est quand même pas mal. Où est-ce qu'on arrive? You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Ouais, donc on devait être un disciple à mon avis. Un disciple ou un conseiller. Attendez, on va essayer de casser ça. Toi tu reviens avec moi. Ah, il parlait de recommencer et tout, mais j'ai pas compris. Voilà, 1801, bon ça doit être un descriptif du mortel, une sorte de légende sur le château de Navi. Bon, on va pas s'embêter à lire ça, c'est à... Bah, j'espère que je vous laisse mettre en pause. Quoi? Ok, c'est libre, c'est tout. Ok. Quoi? On sent un peu plus celui-là, non? Quoi? Ah ouais, d'accord, c'est le type de bibliothèque à livre caché là. Toi. Et toi. Ok, c'était le bon vieux passage caché des livres. C'est parfait. Ok, il y a l'air d'avoir pas mal de livres clés. Ok, là, ça commence à se gâter. Oh, cave à vin fermée. Il doit y avoir quelqu'un dedans, à mon avis. Hein. Enfin, s'il y a quelqu'un encore de vivant. À mon avis, ça n'a pas dû se passer il y a très longtemps. Bon, la porte est ouverte, oui. Oh, oh. Alors là, vous avez vu un des monstres qu'on va affronter dans le jeu. Enfin, on va pas l'affronter, on va plutôt l'éviter.
Ok, on va y aller. On va partir, hein. On va partir et on va aller voir ailleurs. Ah non, il y a des trucs celles qui arrivent. Voilà, c'est ça que je vous parlais. Des genres de trucs de type bien dégueulasse, vous voyez. Voilà. Ça, c'est des trucs qu'on peut pas vraiment l'éviter. C'est dès qu'on y va, ça nous pète à la gueule. Et ça fait très très mal. On est ok, mais niveau tête et niveau équilibre mental, on n'y est pas encore. Oh, je l'ai pas vu ça, toi. Hein, porte. Bon, y a plus rien là. Un petit oiseau, j'ai entendu un petit oiseau. Ok, bon. Je propose qu'on se... Ben, on se laisse là pour cet épisode. On a ben, du coup la clé de la cave à vin. Donc je propose pour la suite, pour le prochain épisode, on ira faire notre cave à vin. Que bien sûr j'ai pas très envie. Je sens que cave à vin, cave, château. On a vu vite fait de loin une créature bizarre, horrible. Qu'on va bien sûr affronter plein de fois. Elle fait vraiment... Elle met vraiment mal. Elle a une tête, ben, la tête sur la bannière. Côté gauche, ben, c'est cette créature en gros. Je sais pas d'où elle est née, mais bon. Peut-être qu'on va découvrir un peu plus dans les autres épisodes. Donc, du coup, c'était 57 FR pour ce premier épisode sur Amnesia. Le vent vous dit bonjour ou au revoir et souhaite que vous portez bien. Donc c'était 50CFR, je vous dis à très bientôt pour la suite du let's play sur Amnesia. Ciao ciao. Attends, mais en fait ils a pendu comment? Il est tête en bas ou oh, ils a tous pendu on dirait. Une partie ils sont pendus. Ah putain vite, casse-toi. Oh, oh ça c'est en train de péter, c'est en train de péter. Oh putain, y'a tout qui est en train de se péter là. Allez, bon, allez, allez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Regarde, regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, on voit rien du tout en plus. Ah ben non, t'es mort maintenant. Je crois que tu dois être mort là. Bon, par contre, on va avoir mal à la gorge. Attends, on a à la fois mal à la jambe, à la gorge et. C'est fait, je sais pas trop quoi là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais qu'est-ce qui... Quoi? Alors moi je comprends...